Salut tout le monde, c'est Chak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Scrap Mechanic Survival pour une nouvelle vidéo. Et là les gars, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé une autoroute. Une autoroute, donc je sais pas où ça va me mener, mais on verra bien. Donc quand on regarde sur ma gauche, voilà, sur ma gauche c'est là d'où je viens, j'ai fait le dernier entrepôt à deux étages. Donc là on a vu que j'avais récupéré du matos. Donc bah, en attendant, attendez les gars. En attendant, j'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Ah, écoutez, en attendant, on va se faire les petits vêtements. Alors, c'est plutôt ici. Voilà, on va mettre celui-là d'abord. Et ben alors, t'attends quoi? Hein? T'attends quoi, mon petit bonhomme? Tu veux pas le faire? Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, ouais, j'ai rien trouvé derrière l'entrepôt, tout. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une île immense. Mais alors, une île gigantesque. Je sais pas si je vais pouvoir la voir d'ici, d'ailleurs. Non, je la vois pas d'ici. Elle est par là-bas, là-bas, mais elle est gigantesque. Il n'y a pas un bâtiment, il n'y a rien. Par contre, au centre, c'est du bois. Enfin, il y a le feu, donc c'est du bois brûlé. Mais franchement, pas mal. Donc là, je suis arrivé de par cette route-là. Par là. Attendez, on va retourner sur la route, comme ça, je vais vous montrer. Voilà, je suis venu de par ici, moi. L'entrepôt est là-bas. Voilà, exactement. Donc j'ai par la droite, par la à gauche de l'entrepôt, il y a rien du tout. Et nous, on venait de par là-bas. Donc par là-bas, il y a comment dire, le garage qu'on arrive à. Il y a le garage d'origine, le premier garage avec la clé là qui brille. Les deux marchands, pas les deux marchands, les deux packaging. Et puis bah voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc là ici, hop, on arrive ici. Et là j'ai regardé à gauche, j'ai vu qu'il y avait une grande route, un truc de fou. Là, il y a un lac. Et puis bah là par là ça repart d'où je viens, j'ai l'impression. Donc bon, pas trop envie d'y aller, donc je vais plutôt aller par là-bas. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai amélioré les suspensions. Vous voyez, j'en ai mis deux de chaque côté. Donc je sais pas, il y a peut-être un délire avec les suspensions quand elles sont niveau 5. Vous voyez, elles touchent pas quoi. Ça touche pas, je sais pas. Petit bug. Je sais pas trop. Alors je vais revérifier parce que j'ai l'impression que si tout est à max. Tout est au max, donc on est pas mal. Donc ouais, j'aurais juste à refaire un peu de peinture, mais bon, pour l'instant, voilà. Hein? On s'en fout. Là, on a découvert quoi? Ok, des chaussures. Ouais, des chaussures, des chaussures. Ok. Donc bah écoutez. On va prendre la route, hein, les gars. Comme vous voyez, belle ligne droite. Donc on y va. Donc du coup, de faire les suspensions, ça m'a permis d'accélérer un peu le moteur. Même si vous voyez, des fois, ça bug. Je sais pas pourquoi les roues sortent de l'axe, je sais pas trop. Bon, c'est pas trop grave, la caisse à roue. Vous voyez, voilà, il y a des fois ça bug, ça me fait des petits bugs comme ça, donc voilà, je suis obligé de ralentir le moteur. Parce que sinon, ça part trop en sucette. Alors pourquoi, je sais pas. On va te ralentir d'un cran, c'est tout. On va aller voir le monsieur, ça tombe bien. Qu'est-ce que t'as à me proposer, toi? Ouais. Vite fait. Alors attendez, par contre, il me refaut du coton. Tac, tac, voilà. Toi, c'est 20. C'est parti. Alors, j'espère que je vais avoir un bon petit truc quand même là. J'espère que je vais avoir un bon petit truc. Donc, voilà les seules améliorations que j'ai fait sur le camping-car. Et puis voilà, je vous dis, les gars, on continue l'exploration. Donc, ouais, j'ai juste fait une île. Moi, je ne l'ai pas filmé parce que bah, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Franchement, là, il n'y aurait pas eu le bois brûlé dessus. Je pense que je me serais mis. Et juste derrière la forêt de bois brûlé là. Ah, vous voyez, il y a un arbre là-bas. On va peut-être l'avoir par là. Putain, l'autoroute du sud, ça continue encore. Hein. Donc là, si on veut, il y a du bois à récupérer. Et là, vous voyez la forêt qu'il y a là-bas. Bah, en fait, c'est une île. Et franchement, elle est balèze. Moi, je vous le dis, les gars, elle est balèze déjà. Et alors, petit cadeau surprise. Oh, des claquettes. Oh, putain. Ah, mais vous êtes sérieux, les gars, là? Hein? Vous êtes sérieux, là? J'ai une tête à mettre des claquettes comme ça là. Chaussettes claquettes en plus. On fait voir, t'as des petites bottines comme ça, ouais. Ouais, je préfère à la limite mettre mes grosses godasses là. Parce que celles-là font mal aux yeux. Celles-là, on voit pas trop. Ouais, faudra voir, faudra voir. Donc ça, on avait. Ça, c'est bon. Ça, bah là, on avait que ça. Ici, c'était les différents trucs. Donc là, ouais, on a eu la veste. Ouais, ok, ouais, ça fait gilet pare-balles, ça fait un peu trop. Ouais, ça fait un peu trop. Ah, au pire, on va mettre celui-là, tiens. Oh là, ça va changer un peu. On va mettre l'axolote. Voilà, et là, c'est quoi, les backpacks? Ok.
Non, bah écoute, hein, merci monsieur. Merci monsieur, j'ai gagné. Attendez, j'ai pas remis ma paire de claquettes quand même. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, claquettes chaussettes, voilà. C'est pas la mode. Hein. Donc regardez là-bas, là. Une île de ouf, les gars. Franchement, une île de ouf. Mais après, je suis éloigné de tout. Hein. Franchement, je suis éloigné de tout. Faudrait que je refasse un petit véhicule vite fait à la limite. Pour repartir en exploration, pour voir un peu. Si je suis pas trop loin du marchand et du garage, c'est surtout ça. Parce que le truc, c'est quoi? J'ai vu des packaging, mais je me rappelle pas avoir revu un marchand. C'est ça le truc. Donc, si j'ai pas trouvé de marchand, ça m'intéresse pas trop de venir de ce côté-là. Autant que je retourne où j'étais. Et par contre, là-bas, j'avais trouvé une petite île aussi, un peu plus petite. Et ça m'intéresse un peu plus, on va dire. Un peu plus intéressant. Donc, ça, les bâtiments comme ça, on va pas les fouiller. Pas trop envie. Oh, toi tu vas passer sous les roues, mon pote. Ah ouais, toi je t'ai dit, hein, toi tu vas passer sous les roues, mon frère. Oh, c'est quoi ça, les gars? Oh, ça je connais pas. Ça je connais pas, les gars. Nouveau truc là. Il y a un petit étang en plus. Mais ici je connais pas, hein, les gars. Non, 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 première fois que je viens là. Il y a comme un petit. D'accord, on peut y aller en voiture. Enfin, on peut y aller en voiture. Ah, mais ça, c'est pas le centre. Le labo là. Oh, y a quelques petits lags, hein, les gars. Le temps d'arriver. Ah, c'est le centre de chimie, ça, ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, bah écoutez, c'est plutôt cool ça. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre le camping-car par là, je pense. Ah ouais, on va se mettre par là. Écoutez, on va se faire une petite visite. Hein. Patate, patate. Ouais, ça va, journée. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, je pourrais monter sur les tuyaux, là, à la limite, et aller voir aussi par rapport. Ouais. Ouais, les petits gars, ça roule ou quoi? Ah, ça tombe bien, j'en ai utilisé pas mal pour faire les suspensions. Donc, plutôt cool que tu m'ordonnes. Plutôt sympathique. Eh, j'étais là, mon frère. Tiens, toi aussi, puisque je commence à plus en avoir trop. On peut plonger là-dedans? Ouais. C'est bon, ça. Il est là, le gros. T'inquiète pas, tu vas mourir. Enfin, mon petit pote, bouge pas. Normalement, j'ai ramené de quoi becter. Voilà. T'es où, toi, vilain, là? C'est bon. C'est bon? C'est parfait. C'est parfait, ça. En plus, il me donne la clé juste là. Merci bien. Voilà, petit pont pour traverser. De ce côté-là, on avait vu. Là-bas, c'était quoi? Ouais, là-bas, c'était la lumière. Là, il y aurait un coffre, je l'aurais vu direct. Et je crois qu'après, bah là, il va falloir que je m'amuse à monter sur les tuyaux. Parce que là, bah, je crois que j'ai tout fait aussi. Après, il n'y a plus qu'à aller voir si on peut rentrer dans certains bâtiments ou pas. Vous voyez, déjà là, il y a un petit coffre. Ouais, il va attendre. Ok, ça je prends. Ah, un petit tuyau. Ça on a fait, ça on a fait. Là, il y a ce petit coin là, là qu'on n'a pas fait encore. Bon, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un spot comme ça là. Tu mets ça sur la voiture. Sur le camping-car. Putain, t'es bien, je te le dis, moi, t'as la lumière à volonté là. Fouille les recoins, les gars. On fouille, on fouille, on fouille. Oh, ferme-la, toi, espèce de fouté. Là, on doit pouvoir monter aussi, je pense. Après, je sais pas s'il y a vraiment des trucs partout. Ok, donc là, c'était la fin ici. Oh, ferme-la, là. Oh, ces petits cabots, là. Ok, non, j'ai pas vu d'entrée sur un bâtiment.
Ouais, je sais même pas si c'est un bâtiment du coup. Est-ce que ce truc là c'est un bâtiment? Je sais pas. Je pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit un bâtiment ça. Et je les prends, j'ai dit. Non, non, c'est pas de bâtiment ça. Non, 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 on peut pas rentrer en tout cas ici. Par là. Oh non, c'est vraiment qu'une usine quoi. Mais bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un bâtiment quand même, un bâtiment central à aller fouiller. Et là, c'est là d'où on arrive. Ok, bon, bah non. Bon, bah non, les gars, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, il y a des petits tuyaux là par terre, j'ai jamais vu ça. Ah bah si tu passes sous la roue aussi mon frérot, ça va pas le faire. Par contre, vous voyez, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Ah ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, pourquoi là? C'est quoi ces baraques là? Attendez. Attendez, attendez, parce qu'il y a des foufous qui sont là, là. Eh, c'est des, ouais, c'est des capsules comme il y a à la base. Ah, la numéro 3, là, il doit y avoir la numéro 2, la numéro 1. Ça doit être ça le truc. Là, est-ce que je vais pouvoir y aller là-dedans? Non, on va peut-être pas trop faire le fou non plus. Si, ça, bon, ça passe. Donc là, c'en est une qui a été retournée. D'accord, mais alors, il n'y a rien du tout, quoi. On peut rien récupérer. Bah allez voir. Bah allez voir. Là. La 3 elle est ouverte. Ils sont en mauvais état mais bon. On peut rien récupérer là-dedans. Vous avez vu, il y en a un paquet. Hein. Là, y a rien. Non plus, y a rien. Bon, je suis sûr, il va rien avoir du tout. Récupérer de l'air ici, parfait ça. Vous avez vu celle-là? Celle-là elle est fermée. Celle-là c'est fermé les gars. Tu peux pas, pas moyen. Donc non, faut qu'on se barre par la droite. Faut qu'on aille à droite. Y a pas, faut qu'on aille à droite. On va essayer de s'échapper par là. Là je vois que, putain mais non, des warehouse y en a. Y en a des milliers là-dedans, c'est un truc de malade. Il y en a des milliers dans le jeu. Ah, je suis retombé au labyrinthe. D'accord. Bon, bah, les gars, je sais où on est. Ok. Je sais où on est. Donc, bah, non, on est retourné. On retourne à notre base. Donc, on a fait le tour. J'ai fait le tour du game. Bah, écoutez, je pense qu'on va retourner à notre base, hein, les gars. Parce que. Bah, de l'autre côté, c'est pas mal. Sauf que je me rappelle pas avoir vu un marchand de l'autre côté. Donc peut-être que j'ai pas été assez visité, mais tout à l'heure il y avait la route qui partait par là-bas, donc je pense qu'on l'aurait rejoint. Donc ouais, non, 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 je pense que ouais. Je pense que non, on va retourner à notre base. Tranquillement les gars. Parce que là je crois qu'on a fait le tour. J'essaie de réfléchir un peu. Par où je suis passé, par où j'ai fait les trucs. Ouais, là, et ouais, c'est ça, c'est ça. Non bah écoutez, ce qu'on va se faire les gars, c'est que bah je vais retourner à ma base et je pense qu'on va aller se poser, sur une petite île, sur une petite île. Ouais, j'ai déjà trouvé, enfin oui j'ai déjà trouvé une île. J'avais déjà trouvé une île pas très très loin de l'avant-poste, hein. Enfin de l'avant-poste du vaisseau spatial où on était tombé, où on a crash en fait du début. Donc on n'est pas très loin, on n'est pas très loin non plus de l'entrepôt du premier garage où on a spawn aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça je pourrais me refaire quelques petits trucs. Et je pense que voilà, ouais les gars, on a vraiment tout fait. Enfin on a vraiment tout fait, non. On a fait le tour du truc. Donc maintenant, voilà, on va se poser ailleurs. C'est bon les gars, on arrive. Alors, dans quel état va-t-on retrouver notre base? Est-ce qu'ils nous ont attaqué ou rien du tout ou... Alors,
Non, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il nous ait attaqué quoi que ce soit. J'ai l'impression que tout est encore là. Allez, ferme-la, toi. Ferme-la bien. Ah, il m'a fait flipper, j'ai cru que c'était un gros rouge. Je me suis dit, oh, je suis mort. Enfin, je suis mort. Non. Toi, t'es mort par contre. Voilà, ah bah pour une fois que tu me donnes un component kit, ça fait plaisir. Allez, je prends les deux. Je prends les deux. Toi, non, j'ai pas envie de te prendre. Donc, bah voilà, les gars, c'est bon. On est retourné à la maison. Donc là, toi, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser par là. Voilà. Alors, à la maison, tout va bien? Est-ce que tout va bien à la maison? Bon, déjà, ça fonctionne. Ça marche. Ici. Ici, bah ouais. Il y a même encore un petit stock de patates. Ah, voilà, mon objet volant non identifié. Il est là aussi, ça fait plaisir. Par contre, toi, je vais te mettre par là. Si ça te dérange pas trop. Voilà. Parce que le truc, c'est que je vais ramener le bestiau ici, là. Ah oui, là, faut le ramener là, lui. Tu veux pas tomber, toi? Attends, je vais t'aider un petit peu. Voilà, parfait. Là, c'est comment? Je crois que ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, je crois que c'est bon. C'est parfait. Parfait, 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 parfait. J'ai très bien garé. Toi, viens là, mon petit copain. Tac. Parce que je vais te mettre là pour l'instant. Voilà. Va falloir que je leur fasse mieux que celui-là. Celui-là, va falloir que je leur fasse vraiment mieux avec tout équipé et tout. Ça va être un pro le prochain objectif aussi. Ça va être ça. Parce que, comment dire, c'est mon véhicule de farm. Enfin, il me fait tout celui-là. Donc, il faudrait vraiment que je l'améliore en entier. Donc, bah voilà, les gars. Bah écoutez, bah, ça fait plaisir de retourner à la maison. Hein, ça fait plutôt plaisir. Voilà, sur le trône royal. Donc on est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal. Donc bah écoutez, laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc bah portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.